Bonjour, docteur Krishna B. Klug, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chirurgien, cancérologue et plasticien. Vous avez créé l'Institut du Sein à Paris, un institut spécialisé dans la chirurgie des seins. Vous êtes assurément la personne qu'il nous fallait pour parler des chirurgies mammaires. Alors, dans un instant, vous répondrez aux questions des téléspectateurs de Bel et Bien, que l'on salue. Coucou. Hello. Bisous, bisous. Mais d'abord, docteur, et avant d'évoquer le cancer du sein, comment expliquez-vous que la poitrine reste le principal facteur de complexe chez les femmes? Et à partir de quel âge vos patientes commencent-elles à consulter? Vous en avez parlé avant, il y a un idéal projeté sur la poitrine. Donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on observe fait que certaines patientes essayent de se rapprocher de cet idéal. Soit elles sont très éloignées de cet idéal et ça devient un handicap. À ce moment-là, il y a une place pour la chirurgie. Soit c'est quelque chose qui est fantasmé, et à ce moment-là, il faut essayer de débricoler le fantasme pour surtout ne pas opérer lorsqu'il n'y a pas d'indication opératoire. Quelles sont les chirurgies mammaires qu'on vous demande le plus dans votre cabinet, docteur? Alors, d'abord, la chirurgie du sein, c'est la première demande en chirurgie esthétique, au-delà de toutes les autres interventions. C'est la première cause de consultation. Donc, moi, je dirige et j'ai fondé l'Institut du Sein Paris, où on a des patientes qui viennent nous voir pour soit une réduction des seins lorsqu'ils sont invalidants, gênants, soit remonter les seins, on parle de ptose mammaire, soit augmenter la poitrine. Et enfin, un élément dont on parle rarement, mais qui est très fréquent chez les adolescentes, une anomalie du développement qui crée des asymétries qui sont souvent cachées à la famille. Est-ce qu'il y a une mode en matière de seins? Est-ce qu'il y a, par exemple, des seins auxquels les jeunes filles aspirent aujourd'hui, une tendance? Alors, comme pour tout le reste, la demande en matière de chirurgie des seins suit la mode. Donc, on a vu les seins latinos, on a vu... C'est quoi des seins latinos? Oui, c'était les seins qui étaient bombants, telenovelas, à l'évidence faux, et qui ont fait l'objet de beaucoup de demandes il y a une vingtaine d'années. Plus ça avait l'air artificiel, mieux c'était. Ah, c'était monstrueux, mais donc le travail du chirurgien, c'est aussi d'essayer de dissocier la mode de ce qu'on pense être l'idéal pour la patiente qui est en face de nous. Donc il y a des modes, la chirurgie du sein suit, ou plus exactement entend ces demandes et essaye de s'éloigner de la mode qui ne sera plus évidemment la mode dans 5 ans. Et là, vous pensez qu'on a un petit retour au naturel? Je pense qu'on a un retour au sein idéal, c'est-à-dire le sein dont on ne peut pas dire quand la patiente est en décolleté ou en maillot de bain qu'il a été opéré. C'est ça, donc un sein qui n'est pas dur, qui n'est pas bombé, le sein d'Elle Macpherson. Et on accueille notre première téléspectatrice qui a une télé-question à vous poser. Docteur, c'est Marion, je crois. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc moi, c'est Marion. J'ai une question concernant la reconstitution mammaire. Je voulais savoir en fait dans quelle mesure on pouvait se faire rembourser de cette reconstitution après plusieurs grossesses. Alors, reconstruction veut dire après cancer. Donc, je pense que ce n'est pas de ça dont vous voulez parler. Vous voulez parler d'améliorer l'esthétique d'une poitrine qui a été modifiée par la grossesse. Mmh. Donc, ce n'est pas une reconstruction, c'est une chirurgie esthétique. Et la chirurgie esthétique du sein est très codifiée par la Sécurité sociale. S'il y a une réduction du volume de la poitrine qui est de 600 grammes, donc ça se pèse, ça s'envoie au laboratoire et c'est dans le compte-rendu opératoire, vous bénéficiez d'une prise en charge. S'il n'y a pas de réduction majeure du volume, il n'y a pas de prise en charge possible par la Sécurité sociale. Mais comment le médecin peut le savoir? Il faut une photo d'avant? Non, on le sait, en examinant la patiente en consultation. Oui, d'accord. Alors il y a Romane qui a une question à vous poser maintenant, docteur. Bonjour Romane. Tout le monde, bonjour docteur. Alors moi j'ai 3 questions à vous poser. J'ai fréquemment la poitrine un peu douloureuse. Suis-je la seule? Comment faire pour lutter contre cette douleur et à quoi est-ce dû? Alors, les douleurs de sein sont liées à l'imprégnation de la glande mammaire par les estrogènes. Donc, en général, ça n'arrive pas avant la puberté et ça s'arrête après la ménopause. Donc, c'est un problème hormonal qui doit être géré par une modification du climat hormonal. Donc, en pratique, c'est la gynécologue ou le gynécologue qui va vous donner un médicament, le plus souvent de la progestérone, qui va mettre les seins, entre guillemets, au repos, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette tension qui survient le plus souvent en deuxième partie de cycle avant les règles. Donc, ça se gère très bien, mais au prix d'un traitement médical. On a encore le temps pour une dernière question, docteur, si vous le voulez bien. C'est rare que je fasse 3 consultations en même temps, mais c'est bien. Je vais revenir, ça c'est bien, on gagne un temps fou avec vous.
Léa, c'est à vous. Je crois que vous avez une question à poser aussi à notre docteur. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, voici ma question. Pourquoi perd-on ses seins après la grossesse? Pourquoi on perd ses seins? Parce qu'en fait, vous avez un stock, un capital de glandes mammaires. Vous avez un stock de glandes mammaires. Et à chaque allaitement, vous en perdez un peu. Donc, en pratique, parfois, ça ne se voit pas parce qu'on prend du poids et du coup, les seins n'ont pas diminué. Mais si vous êtes à poids constant après la grossesse, vous allez vous apercevoir que vous avez perdu un peu de glandes parce que l'allaitement consomme de la glande. Et on voit des patientes qui viennent nous voir après 2 ou 3 ou 4 allaitements. Plus les allaitements sont nombreux, plus ils sont prolongés, plus vous allez perdre de la glande mammaire et avoir un effet de ptose, c'est-à-dire que vous gardez la peau, elle se vide et les seins descendent. Donc malheureusement, on n'a pas, à mon avis, de façon d'éviter cela, sauf éviter de prendre trop de poids pendant la grossesse, parce que là encore, plus vous prenez du poids, plus vous allez distendre l'étui cutané. Dites-moi, docteur, il y a quand même une question que toutes les femmes se posent après la ménopause. Vous avez remarqué que ça arrive. C'est l'effet des hormones sur les seins, parce qu'on entend beaucoup de choses. On dit que ça donne des cancers du sein, donc il y a beaucoup de femmes qui prennent pas d'hormones à cause de ça. D'un autre côté, j'ai entendu quelqu'un dire, mais non, au contraire, les hormones, maintenant, c'est naturel et c'est bon pour la maladie d'Alzheimer. Il y a eu des études. Enfin, on est totalement paumé. Alors, c'est très documenté. On a une réponse très claire. Si vous prenez un traitement de la ménopause, vous allez augmenter très légèrement votre risque de cancer du sein, mais c'est surtout vrai pour des traitements à forte dose, tels qu'ils ont été donnés aux États-Unis dans les années 70. D'accord. Donc, sur les études européennes, ce risque est minime. Il est néanmoins présent sur toutes les études. Donc, si vous avez un bénéfice évident à un traitement de la ménopause, bouffée de chaleur, troubles psychiques, tout ce que vous pouvez imaginer, et que ce bénéfice est résolu par le traitement, à ce moment-là, la balance bénéfice-risque va en faveur du traitement. Si vous n'avez aucun effet secondaire de votre ménopause, la balance bénéfice-risque va en faveur de l'abstention. D'accord. Le risque de cancer du sein lié au traitement de la ménopause existe, il est minime et il doit être pesé par la gynécologue ou le gynécologue qui s'occupe de vous. Il y a des tests à faire pour, justement, pour savoir si on a une propension génétique à avoir un cancer du sein. Alors, il y a 3 éléments qui vont aider le médecin à prescrire ce traitement. Premièrement, votre histoire personnelle. Est-ce que vous avez eu des biopsies du sein? Est-ce que vous avez des seins denses? Deuxièmement, votre histoire familiale. Est-ce qu'il y a des cancers du sein chez les proches? Et troisièmement, un test, plusieurs tests qui sont actuellement sur le marché et qui permettent très probablement d'évaluer un petit peu plus le risque personnel, mais c'est sujet d'étude. Merci à nos téléspectatrices et merci, docteur, d'avoir répondu aussi clairement à elle. Alors, j'aimerais, docteur, qu'on aborde le sujet du cancer du sein. De nombreuses femmes en rémission viennent vous voir pour une reconstruction mammaire. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors déjà, de nombreuses femmes, ce n'est pas tout à fait exact, puisque le taux de femmes en France qui se font reconstruire après mastectomie, c'est 70%. Donc 30% des femmes qui ont perdu leur sein se font reconstruire, 70% ne vont pas jusqu'à la reconstruction, raison pour laquelle on plaide beaucoup à l'Institut du Sein Paris, mais dans la plupart des grandes équipes, pour une reconstruction immédiate au moment de l'ablation du sein. Si cette reconstruction immédiate n'a pas été réalisée, à ce moment-là, les patientes viennent nous voir et on évalue les différentes techniques possibles, schématiquement, 3 techniques. La première, utiliser une prothèse, il y en a plusieurs types. Deuxièmement, utiliser les propres tissus de la patiente, prélevés au niveau du ventre, au niveau du dos. Et troisièmement, dans des cas très rares, mais qui font beaucoup, beaucoup couler d'encre, reconstruire le sein par des injections de graisse successives, mais qui nécessitent, 1, plusieurs interventions, 2, qu'il y ait beaucoup de graisse disponible, 3, que la patiente ne demande pas un sein volumineux. Donc essentiellement, prothèse ou transfert de tissu, accessoirement, injection de graisse multiple. Et on rappelle encore une fois que la meilleure des préventions contre le cancer du sein reste de faire des contrôles réguliers chez votre gynécologue. Alors, à quelle fréquence faut-il y aller, docteur? Tout dépend de votre histoire et de la famille. En pratique, la grande majorité de la population n'a pas d'histoire familiale très lourde. Par histoire familiale très lourde, on entend la mère, la sœur, la tante. Donc, pour cette population, se faire examiner par une gynécologue une fois par an, entre 25 et ad vitam aeternam, et faire une mammographie tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Et lorsqu'on rentre dans les histoires à haut risque, ces histoires familiales qui, en général, sont mieux précisées par des tests génétiques, là, le dépistage et la surveillance vont être modifiés, mais c'est vraiment à votre médecin traitant et à votre gynécologue de définir la surveillance. Pour la majorité des femmes, un examen par la palpation entre 25 ans et ad infinitum, et une mammographie tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Docteur, dans le cadre des reconstructions mammaires, il y a aussi les tatouages de l'aréole. Est-ce que vous avez ça
à disposition à l'Institut du sein? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment intégré une fois que vous avez reconstruit le sein? Absolument. Les fins de reconstruction sont sous anesthésie locale. Donc l'aréole, le mamelon, ça peut se faire par des greffes, des tatouages. Mais tant que le sein n'a pas l'aréole et le mamelon, il manque quelque chose qui est pas très compliqué. Et je me retourne vers Alexia et vers Laurence Malzard, qui est notre tatoueuse à l'Institut du sein Paris. Pas extraordinairement compliqué par rapport à toutes les étapes chirurgicales et du traitement, mais qui est fondamental. Et il faut vraiment tirer notre chapeau à Alexia Cazard, qui a mis en évidence l'importance de la dermopigmentation spécifique des aréoles et des mamelons. Chez nous, c'est Laurence Malzard à l'Institut du sein Paris qui a ce rôle. Ce sont des femmes qui ne font que ça. Elles ne s'occupent que des aréoles et des mamelons. Et donc, elles arrivent à un niveau que nous, chirurgiens, on n'atteint pas. J'ai arrêté de faire mes tatouages d'aréoles et mamelons. Je n'en fais plus. Parce que vous en faisiez. Bien sûr, tous les chirurgiens faisaient leurs aréoles et leurs mamelons. C'est parti de l'opération. Oui, ça faisait partie. À la fin de l'opération, on faisait l'aréole et le mamelon, en général au cabinet, comme elle le fait. Mais nous, on le faisait en plus de tout le reste et on ne s'était pas hyper spécialisé. J'ai arrêté, et la plupart des chirurgiens de notre équipe à l'Institut du Saint-Paris ont arrêté de faire leurs aréoles et leurs mamelons parce qu'on a une tatoueuse qui fait des choses extraordinaires. Ouais, c'est formidable. Ça doit être très émouvant pour les patients. Très émouvant. Elles sortent avec un sourire comme ça. Merci beaucoup, docteur Krishna Beklouk, d'être venu dans l'émission. Votre livre « Confidences et vérités sur le cancer du sein » est disponible aux éditions Larousse. À bientôt. Merci à vous. Merci, docteur. Merci.